Okay. Découvrons la face cachée de MalOS. C'est la deuxième et la dernière vidéo que je fais sur elle. Et cette vidéo, c'est pour répondre à quelques commentaires des personnes, des gens qui n'ont toujours pas encore compris le petit secret caché de MalOS, malgré la première vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. C'est parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette chose qu'elle cache en bas. C'est ce qui fait que donc, beaucoup de personnes disent que MalOS, elle est matérialiste, elle aime la vie de luxe, elle achète les choses qui sont chères, des objets de luxe qui coûtent extrêmement cher. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a un petit secret qui se cache en bas. Maintenant, quelle est la chose que ces personnes n'ont pas encore compris? Ces personnes qui ont mis les commentaires bizarres sous ma première vidéo là. On va d'abord lire un commentaire que j'ai sélectionné pour vous. Regardons ça. Il y a Gladys Yubina qui nous dit dans les commentaires que ce que j'ai dit dans ma vidéo, que c'est totalement faux. Que même les influenceurs français avec plus d'abonnés ne sont pas sponsorisés. Autant qu'elle est. Bon, il n'y a même pas de point ni de virgule dans son commentaire. Mais on va lire ça comme ça quand même. Je ne vais pas être méchante, mais même les chanteurs, acteurs, sportifs ne sont pas autant sponsorisés qu'elle. Donc, c'est mensonge. Ce qu'elle raconte, arrête d'être naïf. On sponsorise les gens qui ont un public qui peuvent acheter des marchandises. Et malheureusement, son public n'a pas les moyens pour ses marques. Ça n'a pas de sens. Bon, ici, là, dans son commentaire, elle a dit ce qu'elle pense. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à dire ça aussi, qu'il y a plein d'influenceurs, il y a beaucoup de personnes qui ont des dizaines de millions d'abonnés en France, que Louis Vuitton ne va pas les laisser venir prendre MalOS pour faire des pubs, que MalOS n'est rien devant ses stars françaises. En fait, la chose, c'est quoi? C'est très simple aussi que ça. Hein? C'est très simple. Vous avez parlé d'influenceurs français, des stars françaises, des acteurs de football, de chanteurs et autres. Vous avez bien dit en France. Oui. MalOS, là, elle est en Côte d'Ivoire, elle est en Afrique. Donc là, si Louis Vuitton veut vendre en Afrique, on ne va pas aller prendre, on ne va pas aller dire à Mbappé de faire la publicité, ou bien on ne va pas dire à... Qui est le plus grand influenceur de la France même? Il s'appelle Squeeze Z, bien quoi là. Si Louis Vuitton veut élargir son marché en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas Mbappé ou bien Squeeze Z qui vont prendre pour faire la publicité de leurs produits. C'est quelqu'un qui a un public, quelqu'un qui a une communauté bien fondée dans la zone où il vise. D'abord même quand tu veux faire une campagne publicitaire, moi, en tout cas, quand je vais faire une campagne publicitaire pour les gens qui m'approchent pour gérer les pages, quand je vais faire une campagne publicitaire, la première des choses que je prends en compte, je demande à la personne, bon, ce que tu veux vendre là, quelle est ta zone de cible, c'est où ça tu veux vendre. Tu ne peux pas vouloir faire une campagne publicitaire, vendre ton produit en Côte d'Ivoire, et puis tu vas sélectionner toute l'Afrique, mais tu vas aller sélectionner le continent asiatique. Non, ça ne se fait pas. Donc ton message est bien clair. Bon, si on voit ça de façon directe comme ça, ton commentaire est clair. Oui, il y a assez d'influenceurs français qui dépassent largement MalOS. Mais ça dépend, c'est pas ce qu'on regarde. Ces marques-là, c'est quel marché qu'ils veulent conquérir. Je vous dis quelque chose. Le marché africain en matière de marques, les grandes marques-là. En fait, nous les Africains, avant, 5 ans passés, 10 ans passés, ces marques-là, c'est des trucs qu'on ne consommait pas en Afrique ici. Mais avec la montée des réseaux sociaux, avec la montée des influenceurs, du jour au lendemain, il y a des milliardaires, des millionnaires qui naissent sur les réseaux sociaux. Il y a des nouvelles stars qui sont en train de naître en Afrique ici. Donc ces marques-là sont en train de vouloir conquérir maintenant le territoire africain. Donc ce n'est pas parce que MalOS n'est pas influente comme certains influenceurs en Europe qu'ils ne vont pas la prendre pour faire. Ça dépend de où ils veulent vendre, c'est où ils veulent étendre leur marché. Bon, et puis encore Gladys, une chose, je ne sais pas tu es dans quel pays en Afrique ici. Je prends un exemple. Pourquoi le même move qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui se trouve au Burkina, qui se trouve au Togo, dans les autres pays, pourquoi dans chaque pays, il y a chaque ambassadeur? Pourquoi? Pourquoi ne pas prendre un ambassadeur, une personne qui est influente en Afrique ici pour représenter move dans toute l'Afrique? C'est une question que je te pose. En fait, celui qui influence au Burkina n'est pas forcément cette personne qui influence en Côte d'Ivoire. L'influenceur de la Côte d'Ivoire aussi n'est pas forcément l'influenceur au Togo, de même qu'au Bénin, dans les autres pays. Mais pourquoi Louis Vuitton va prendre un influenceur français pour vouloir cibler le continent africain? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et encore une chose, souvent même ces influenceurs, c'est vrai que bon, quand j'ai regardé le classement, le plus grand influenceur de la France là, il s'appelle Squeezen, c'est un YouTuber. Et un YouTuber,
qui n'est pas connue en tant que... En fait, quand on voit l'image d'Emma Lux, son image de marque qu'elle a pu se construire autour d'elle, c'est quoi? Les shows de luxe, les vêtements de marque. Donc, ces personnes-là vont facilement aller vers Emma Lux. Quelqu'un peut avoir 20 millions d'abonnés et pourtant Emma Lux a 1 million d'abonnés. Ils vont venir vers Emma Lux parce que le plus grand influenceur de la France, Squeezen, c'est un YouTuber. Au moins, si c'était des logiciels, sponsor des logiciels, des applications, des sites web, on pouvait aller vers lui parce que c'est plus dans le domaine d'informatique, plus dans le domaine des jeux vidéo autres. On pouvait facilement aller vers lui. Mais ça, c'est une question de marque. L'image de marque, ça compte. Lorsqu'on veut faire sponsoriser, l'image de marque, là, ça compte. Lorsqu'une entreprise veut t'approcher, là, ça dépend de comment tu as bâti ta communauté. Si ton influence est plus basée dans la cuisine, la restauration, les entreprises qui vont t'approcher, là, sont les restaurants, les hôtels qui vont t'approcher. Mais lorsque tu te crées une image dans le vêtement, dans les shows de luxe, dans les accessoires et autres, là, ce sont ces entreprises comme ça qui vont t'approcher. Je prends un exemple encore. En 2008-2009, au temps de Ed Hadi, la marque tête de mort Ed Hadi, là, c'était le moment où Arafat et puis Debordeaux étaient vraiment en mouvement. En fait, à ce moment-là, nous, on avait notre groupe là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on voit qu'Arafat porte, que ce soit un chapeau, un t-shirt ou bien une chaussure de Ed Hadi, on va tout faire aussi pour acheter ça. C'est-à-dire, quand il porte ça, on fait tout dans ces mêmes mois-là, chercher aussi le même modèle pour acheter. Même si c'est pour mentir aux parents quand on a en ce moment était encore au lycée. Même si c'est pour mentir aux parents qu'on va acheter tel document, telle chose, on va mentir aux parents pour avoir l'argent, puis on va acheter ça tout à coup. C'est ça qu'on appelle l'influenceur. En ce moment aussi, on peut dire en ce moment, Drogba était plus connu que Didier Arafat en ce moment. Parce que c'est en ce moment qu'il faisait vraiment plaisir à Chelsea. Donc en ce moment, Drogba Didier était plus connu que Didier Arafat. Mais nous, on ne regardait pas si Drogba Didier pour s'habiller. On ne regardait pas si Drogba Didier pour s'habiller. C'est paire de marques qu'on veut payer ou bien c'est maillot. Non. On regardait si Didier Arafat pour payer notre habillement. Donc ce que vous dites là, lorsqu'on veut rentrer en profondeur, voir les analyses, faire sortir les petits détails là, vos commentaires ne tiennent pas. Qu'il y a des influenceurs français qui ont des millions d'abonnés, que Emma Lewis n'est rien, que pourquoi venir prendre une africaine? Pourquoi l'africain même aime sous-estimer ce qui est de chez nous? Pourquoi Emma Lewis, que Emma Lewis n'est rien devant Louis Vuitton, mais pourquoi? Et puis bon, Gladys Yubina, vous avez dit que non, les abonnés d'Emma Lewis n'ont pas assez de moyens pour s'acheter les trucs de Louis Vuitton ou autre. Oui. Bon, on va faire un petit calcul. Si on associe tous les abonnés d'Emma Lewis, tous ces réseaux sociaux là, tous ces abonnés peuvent au moins atteindre les 10 millions d'abonnés sur tous ces réseaux sociaux. Donc on va faire un petit calcul. Si on prend 0,01% des abonnés d'Emma Lewis, les 0,01% d'abonnés d'Emma Lewis peuvent au moins s'acheter un produit de Louis Vuitton, peut-être qui coûte au moins 1000 euros chaque mois. Ça va faire à Louis Vuitton un chiffre d'affaires de 1 million d'euros le mois. 1 million d'euros le mois. En un an, ça fait 12 millions d'euros. Vous n'allez pas me dire que non, 12 millions d'euros n'est rien devant Louis Vuitton. 12 millions d'euros, ce n'est pas millions de francs, c'est fait 12 millions d'euros. Vous n'allez pas me dire que ça, ce n'est rien devant Louis Vuitton par an. Et si on prend Emma Lewis, après Emma Lewis, on prend Emmanuel Keïta. Après Emmanuel Keïta, on va au Ghana, on prend l'autre influenceur. Au Burkina, on va là-bas, on prend un influenceur. De même qu'au Togo, au Mali. Finalement, on prend au moins 10 pays, qu'on prend au moins 10 influenceurs là-bas. Et que cette marque-là arrive à se faire 1 million d'euros chaque mois dans chaque pays. Lorsqu'on multiplie par les 10 pays là, par an, ça donne 124 millions d'euros. 124 millions d'euros là, ce n'est rien devant Louis Vuitton. Donc bon, moi je ne vais pas trop discuter. En fait, moi-même dans ma vidéo précédente, j'ai bien précisé dans la vidéo, c'est pas parce que Emma Lewis n'a pas les moyens de s'acheter ces objets qu'elle paye, qu'elle nous montre. Elle peut avoir le moyen de les acheter. Mais la plupart, quand moi, en fait, je suis un peu dans le domaine de réalisation, cinéma et autres. Donc, quand moi, je vois une vidéo, quand je vois une mise en scène, automatiquement, je sais. Quand je vois une mise en scène, je vois une vidéo en même temps, je sais que c'est une mise en scène. Une vidéo qui a été filmée de façon naturelle, c'est différent d'une mise en scène. Lorsque c'est un scénario organisé, quelque chose organisé, je sais ça directement. Donc, c'est sur ça que je me suis basé pour dire que non, Emma Lewis, c'est des pubs qu'elle fait pour ses sociétés, c'est des sponsors. Sinon, c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens de les acheter. Hein. Et puis, même, c'est que moi, j'ai voulu même dire le message que j'ai voulu faire passer en faisant cette vidéo-là. C'était pas de venir mesurer la richesse d'Emma Lewis et autant. Non. Moi, le message que j'ai passé en bas, je disais aux gens qui veulent un jour se lancer sur les réseaux sociaux, lorsque tu arrives à te construire une bonne image, lorsque tu arrives vraiment à te construire une bonne image, il y a des grosses sociétés, des entreprises qui vont à chaque fois venir vers toi pour les publicités, pour des sponsors. Donc moi, dans ma vidéo là, le message que j'ai fait passer en bas là,
C'est que quand tu veux te construire une image sur les réseaux sociaux, il faut te construire une image positive. Tu vas manquer dedans beaucoup. Voilà. Tu ne vas jamais avoir faim, quoi. Donc, c'était un peu ça. Vous avez jugé que Emma Lewis n'est rien. Bon, moi, je peux dire, c'est vous, hein, c'est pas jalousie. Sinon, ces marques-là, que ce soit Louis Vuitton, Gucci, ils ont besoin de Emma Lewis. Voilà. Ils ont besoin, monter de ça, ils ont besoin de Emma Lewis pour faire les publicités. Le marché africain en matière de marques, de vêtements et autres, là, c'est un marché qui est très large à conquérir. Donc, sans trop parler, merci à vous, le combat continue. Faites-vous former chez Arrobas.